propre aux yeux de gens dormesans. Certes, ce jugement est valable, mais faut-il y adhérer totalement? En premier lieu, il vaut mieux dire que c'est dur parfois de replonger dans le passé. Le malheur d'autrefois fait souffrir la vie d'à présent. À force de se remémorer une période douloureuse, l'être sombre dans l'abattement et le désespoir. L'abattement, c'est-à-dire la perte, l'affaiblissement. Le souvenir de la douleur et de la douleur encore, de l'aveu de Lord Byron. En second lieu, l'hypertrophie du passé est bel et bien un danger mortel, c'est-à-dire la présence du passé. La créativité, l'originalité, l'espoir risquent de mourir écrasés par le poids de l'époque lointaine. Car le temps révolu, c'est-à-dire le passé, n'est pas fait pour vivre. Il n'est pas fait pour remplacer le présent. En effet, beaucoup de réminiscences, c'est-à-dire de souvenirs vagues, emprisonnent l'homme tellement qu'il devient passéiste, inapte à la vie courante, c'est-à-dire très attaché au passé. Or, la vie rejette ceux qui ne s'adaptent pas, telle est la conception de Mauriac. Du coup, le retour en arrière est presque inutile. Pour te dire, chers élèves, le flashback nous amuse, nous enchante, nous désespère, nous accable. La mémoire est à nous, nous sommes capables d'agir sur le présent, mais il nous est extérieur. Nous ne pouvons rien sur la vie d'antan, c'est-à-dire la vie d'autrefois, mais elle nous appartient. Dans cette optique, chacun d'entre nous peut choisir entre le passé, le présent et l'avenir. D'où l'ampleur de la liberté. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.